Le campus est désert à Rennes. Les étudiants sont rentrés pour les vacances de Noël. Rentrés, pas tous. Les plus précaires restent dans les cités universitaires. Par manque d'argent, ils ne peuvent pas partir. Une galère vécue par Fanny suite à une situation familiale qui s'est dégradée. Le souci numéro un est de trouver de quoi se nourrir. Une année où c'était moins de 10 euros par semaine et une brique de lait c'est un petit plaisir, des gâteaux Eco Plus c'est un plaisir et on tient comme ça et le reste c'est des pâtes. Des paquets de pâtes, il y en a des dizaines chez Épifrie, l'épicerie gratuite. Hébergée par la MJC, elle restera ouverte pendant les vacances à cause de la crise sanitaire. La précarité, elle était toujours là, mais c'est vrai qu'on, ça s'est sûrement accentué avec le confinement. Enfin, peut-être les étudiants qui ont perdu leur job, les trucs comme ça, quoi. Un sondage effectué par l'Université de Rennes datant du mois dernier démontre que 14% des étudiants ont des difficultés financières. Pour Noël, quelques-uns repartiront avec un cadeau surprise.